So this is why the first type of primordial psychotherapy is for sure shamanic psychotherapy. Et c'est pour ça que le tout premier type de psychothérapie, eh bien, c'est une psychothérapie de type chamanique. And this is why that among great, really great psychotherapists, there are a lot of people with shamanic gifts. C'est pour ça que les grands psychothérapeutes, ils ont des dons de nature chamanique. And as we know, in shamanism, there is three worlds. World of ancestors, underworld, world of human being, this world, our world, and world of spirits, of gods. Comme on le sait, dans les traditions chamaniques, il y a trois mondes primordiaux. On peut dire le monde des ancêtres, le monde des humains et le monde des dieux, qui pourraient être reliés au monde inférieur, au monde moyen et au monde supérieur. I've studied shamanism for many years. I've met great Siberian shamans from different traditions. J'ai étudié le chamanisme pendant de nombreuses années et j'ai rencontré de nombreuses idées de chamans de différentes traditions. I've met shamans in Peru, in United States, from Cherokee and other traditions. J'ai rencontré par exemple des chamans au Pérou, aux États-Unis ou dans la tradition Cherokee par exemple. And I participated in many shamanic ceremonies and was healed by shamans. Et j'ai participé à de nombreuses cérémonies chamaniques qui étaient dont le soin était donné par des chamans. And so I know from first hand experience that it's working. It's real psychotherapy. Et j'ai été guéri par des chamans et je sais par expérience que le travail des chamans fonctionne. And we can connect three shamanic worlds with our primordial human situation. Et nous pouvons connecter ces trois mondes chamaniques avec notre situation primordiale. Which can be explained through understanding of three worlds we are living in. Qui peuvent être expliqués à travers la compréhension des trois mondes dans lesquels nous vivons. The first world is our inner world for sure. C'est notre monde intérieur. Who is speaking? Me speaking. Who is me? Somebody inside, invisible and infinite. Qui est moi en fait? Qui suis-je? Qui parle? Who is presented through this body? Qui est présent à travers ce corps? Which is a kind of human interface. Une sorte d'interface humaine. For connecting each of us to other people and to the world. Pour nous permettre de nous connecter les uns aux autres. Sous une forme d'interface dans ce monde. And so there is outer world, and our body belongs to our outer world. Il y a le monde extérieur et notre corps appartient à ce monde extérieur. And we have the tendency to see our body and everything in a limited way, since our body is concrete and limited. Et nous avons une tendance à voir notre corps comme quelque chose de limité. And even having infinite universe inside, we have the tendency, global tendency, to limit this universe. Même en sachant qu'on a un univers à l'intérieur de nous, on a tendance à avoir cette vision limitée de nous-mêmes. It's a kind of general disease, badism. C'est une sorte de généralisation de badism. Anthropomorphisme. Exactly. So it's a symbolic picture of our human situation. Et voici une image symbolique de notre situation humaine. And in transpersonal psychotherapy, for example, we can trace to this ancient shamanic map very important schools, like, for example, Hellinger, Bert Hellinger family therapy. Are you familiar with? It's for sure underworld therapy, ancestors. It's the main issue. Et nous pouvons, par différents travaux, nous pouvons retracer une sorte de carte chamanique. C'est par exemple le travail qui a été développé par Hellinger, qui a travaillé sur la notion du monde de nos ancêtres. And Stan Grove, it's for sure God's vault. His holotropic breathwork, holotropic therapy. Et Stan Grove, quant à lui, il a plutôt exploré ce que nous pourrions appeler le monde des dieux avec son travail de respiration holotropique. I've studied with Stan Grove for many years and published all of his books on Russian language and organized many seminars and have a lot of private talks. J'ai échangé longtemps, j'ai étudié longtemps avec Grove. J'ai traduit et publié ses livres. Et fait énormément de séminaires avec lui. And Fyodor Dostoevsky is representation of existential
transpersonal psychotherapist. Et Dostoïevski est l'exemple d'une psychothérapie transpersonnelle de l'existence et de l'existence. And Jean-Paul Sartre and Camus and Bisvanger and many other great existential practitioners et and philosophers. Praticiens existentialistes. So let's have a picture of modern Russian shamans. This is my field records from the chaman moderne russe conference. C'est des rushs d'une conférence. Let me check something is wrong with sound. Oops, yes. So it's great Russian shamans from different places. This is Yakutian shaman Afanasy. This is Hakassian, it's Siberia shaman, and another shaman. C'est des chamans du Sibérie. This is a great Buryatian shaman. He is performing a ceremony of connecting with the spirit of the grandfather. C'est un chaman sibérien dont le travail est de faire une reconnexion avec l'esprit du grand-père. And just a minute, I want to show another picture. Yes, and this is another great shaman from Hakassia, it's a part of Siberia, Tatiana. C'est un autre chaman d'une autre partie de Sibérie. And I participated in her shamanic ceremony only for 15 minutes. And another 8 people. Que pour 15 minutes avec 8 autres personnes. Yeah, another 8 people participated in, and after 15 minutes, she started to tell the truth about each of us. Et après 15 minutes, elle a commencé à dire la vérité sur chacun d'entre nous. You are from that tradition, from that family. These are your destination. These are the roots of your problems. This is the way to heal. Voilà les racines de tes problèmes. And it was amazing, since it was exactly up to point to my situation and to my wife. C'était extraordinaire, c'était exactement ma situation et celle de ma femme. And I ask her, how you learn about this? Comment tu sais ça? And she replied, it's very easy. My spirit helpers have shown me everything about you. Mes and talk me about you. Mes assistants esprits m'ont tout dit sur vous et m'ont parlé de vous. How they shown you? Comment oh, it's very easy, like c'est radio and television. C'est comme à la télévision. And so this time I started to understand that shamanic knowledge with in realized shamans is direct knowledge, direct diagnosis. C'est là que j'ai compris que la connaissance chamanique est une connaissance directe. And this is since in shamanic ecstasies going beyond ordinary perception. Et ça se fait dans une sorte d'extase chamanique qui dépasse la perception ordinaire. In the continuum of experience, they overcome all dualities. Dans le continuum de cette expérience, ils dépassent toutes les dualités. Between them and between other people. Entre eux et les autres. There is no limits between shamanic involved and client involved. Il n'y a pas de limite entre le monde intérieur du chaman et le monde intérieur du client. They can get assistance of the spirit helpers. Ils peuvent demander l'aide de des to help the people esprit. To be reconnected with the three primordial world we all have. Ils se reconnectent à ces trois mondes primordiaux. So several more. This is Afanasy, Yakut shaman. In real shamanic ceremony, showing scientists.
And Michael Harner is also there somewhere, a famous researcher of shamanism. Ce sont de vraies cérémonies chamaniques que nous voyons ici, et dans celle qui est filmée ici, il y a également Michael Harner qui est présent. And so going to the next stage of human subject, paganism, second type of primordial psychotherapy is pagan psychotherapy, the recollection of primordial human connection with culture, society and gods. Maintenant, si on passe au deuxième type de psychothérapie primordiale, on peut parler de la psychothérapie païenne, dont le fonctionnement est une forme de remémoration de notre connexion humaine avec la culture, avec notre fonctionnement en société, avec les dieux. I know the Russian village life very well. I spent a lot of time in the countryside when I was young, and already being a recognized psychotherapist, I collaborated for many years with the best Russian folk ensemble. Dmitry Pokrovsky Ensemble of Ultra Ancient Russian Music. J'ai passé beaucoup de temps dans la campagne russe et déjà reconnu en tant que psychothérapeute, j'ai avec les folk quoi. Folk Russian Music Ensemble of Ancient Russian Folk Music. Yeah. Un ensemble de musique traditionnelle russe. And on my workshops, I started to perform authentic ancient Slavic rituals. J'ai commencé à pratiquer des rituels authentiques slaves. Different types of rituals, rituals of death and rebirth. De mort et de renaissance. And different ritual dances. Et des rituels de danse. And I was amazed about healing potential of all these ceremonies and rituals and festivals. Next video is about this kind of rituals. It will give you some experience of what does it mean authentic pagan Slavic rituals. Et ce qu'on va voir ici, c'est ce type de rituel slave qui, pour montrer le type d'expérience qu'ils font avec leur rituel. Just relax and watch. Et vous pouvez vous détendre et juste regarder ça. It was produced by my student and co-worker, very famous Russian film director.
So how are you doing now? You can consider this as a short-term session of pagan psychotherapy. Oh yeah, there is a great movie by a famous Russian film director Andrei Tarkovsky. Are you familiar with Andrei Rublev movie? Not? No? No. It's an encyclopedia of Russian life, Russian spirituality. I strongly recommend it if you are interested. Connu par Andrei Tarkovsky, qui est comme une encyclopédie de l'histoire russe. There is several great pieces in the film, which present in the great artistic skills and impeccable quality, the essence of pagan subject, Christian Orthodox subject, and archaic shamanic subject. Qui présente des moments extraordinaires de et de mise en scène de du sujet païen, du sujet chrétien et archaïque. But we haven't now time to go into details. Comment? So I'll skip. Shaman archaïque. And so next type of primordial psychotherapy I discovered was that psychotherapy is connected with primordial goodness. Et le type suivant de psychothérapie primordiale que j'ai découvert, eh bien, c'est un type de psychothérapie qui est relié à un bien-être fondamental. And the person who helped me to realize this idea was the very close student of Fritz Perls, Anna Simkin. Et la personne qui m'a aidé à réaliser cette partie de mon travail, c'est une personne qui était très proche de Fritz Perls. Il s'agit de Anna Simkin. As you probably know, Fritz Perls, the founder of Gestalt therapy, was a student of Wilhelm Reich, and he spent last time of his life teaching at SLN Institute, Big Sur, California. Comme vous le savez sûrement, Fritz Perls est le fondateur de la Gestalt. C'était un étudiant direct de Wilhelm Reich, et il a passé les dernières années de sa vie à enseigner à SLN en Californie. And after his death, Anna and John Simkin, a married couple, continue to teach Gestalt at SLN. Et après sa mort, Anna Simkin a continué à enseigner la Gestalt dans sa lignée directe à SLN. So I've met Anna Simkin in 1989 at Findhorn Foundation, Scotland, at the conference Psyche and Soul. Et j'ai rencontré Anna Simkin en 1989 dans un congrès en Écosse sur la psyché et l'âme. And she presented masterclass working with young man, something like 18 or 19 years old, very shining. It was amazing, great result. Et elle faisait un masterclass avec des jeunes hommes très jeunes, de 18 ou de 19 ans. Et il y avait quelque chose de vraiment brillant. C'était un très beau masterclass. And in the break, I was lucky to have a lunch with her. And of course, à la pause, j'ai pu déjeuner avec elle. I started to ask, what is the essence, Anna? What is the essence of psychotherapy? What does it mean to be good psychotherapist, etc., etc. Anna, quelle est l'essence? A lot of stupid intellectual questions. Plein de questions intellectuelles stupides. And she looked at me and then replied. Et elle m'a regardé et elle a répondu. Vladimir, good psychotherapist is old Jewish grandmother. Un bon psychothérapeute est une vieille grand-mère juive. My first wife was Jewish, and I was acquainted with good great Jewish grandmothers. Donc je connaissais bien but I didn't understand what she meant. Much later, I connected what she said with my new experience with other great psychotherapists. Bien après, j'ai fait le lien avec I've met Robert Diels, I've met Rolla May, I've met Stan Grof, I've met Arnie and Amy Mindel, and many others. Et j'ai rencontré Robert Diels, et j'ai rencontré Stan Grof, et j'ai rencontré les Mindel et bien d'autres. And I understood that Anna Simkin means that the
realized good psychotherapist has access to primordial knowledge of goodness. Et j'ai compris que le message de Anna Sim Kim, c'était que pour réaliser une bonne psychothérapie, il y avait accès à la bonté primordial goodness, yeah. And she or he is transmitted this knowledge of goodness to client beyond words, using many channels, without any aid of any particular methods of psychotherapy. Transmet cette bonté au client par tous les moyens possibles. And probably you also have such kind of experience of being in the field of goodness. Et vous avez probablement fait cette expérience aussi vu que vous êtes dans le monde de cette bonté, dans le domaine de la bonté. And later, when I met my root Tibetan guru, Chögyal Namkha Narbu, I've learned from him that Adi Buddha, primordial Buddha in Tibetan language, is pronounced as Kuntuzampo and is translated as everything is good. So Adi Buddha in Tibetan means everything is good. Et ce que j'ai appris de mon enseignant du bouddhisme tibétain, Shogyal Dambo Rinpoche, c'est que le nom de l'enseignant primordial, Adi Buddha, eh bien, ça se traduit en tibétain par Kuntsumzampo, ce qui signifie une bonté primordiale, que tout est bonté primordiale. And so if we as psychotherapists, we have our own experience of what does it mean primordial goodness, we will transmit this experience. We can't stop it. Si en tant que psychothérapeute, on a fait l'expérience de cette bonté primordiale, nous pourrons la transmettre, on ne pourra pas s'en empêcher. And it means that our client will also acquire this state of goodness. Et ça veut dire aussi que le client va pouvoir acquérir cet état de bonté. Experiencing goodness, not in the past, not in the future, but right now. Et qu'il va pouvoir l'atteindre, pas dans le passé et pas dans le futur non plus, mais bien maintenant. And so this is an example of what does it mean to be in the state of primordial goodness. Alors on va regarder qu'est-ce que ça veut dire de demeurer dans cet état de bien-être et bonté primordiale. And this is another great psychotherapist. I must confess, it's my personal psychotherapist. And I'm using any possibility when he came to Moscow and I invited all my friends to his performance. And you know who is it. Un des grands, grands psychothérapeutes. C'est mon thérapeute personnel et je l'ai invité à venir quand il est venu en Russie. Bobby McFerrin, 10 times Grammy laureate. Don't worry, be happy.
and in my collection there is a lot of great psychotherapists and artists, and some of them are from Bollywood, Indian film company. He knows what does it mean goodness. Eux, ils savent ce que ça veut dire bien-être. And we know that the state of goodness is primordial state. It's infinite. It's unlimited by any concepts of goodness. We know that the state of goodness is primordial state. It's unlimited of any notions, by any notions of goodness. Et on peut dire que ce terme qu'on hésite à traduire entre bien-être et bonté, eh bien, on peut dire que c'est un état naturel et illimité. At any particular moment, et qui dépasse toute notion, en fait. In any particular moment, for any particular client, there may be multiple, potentially infinite way to goodness. Et à n'importe quel moment, pour n'importe quel client, il y a toujours un moyen, il y a un nombre infini en fait de moyens de déclencher cela. And a lot creative ways. We don't need to limit ourselves by hypnotherapy, for example, or by classical psychoanalysis, or by union, or by transpersonal. We can dance. Yeah. We can sing together. Et ce n'est pas spécialement nécessaire de se limiter à des moyens et à des voies traditionnelles comme or, we can pray, ou la psychanalyse ou le transpersonnel. We can laugh together and it will be the healing. And so next type of primordial psychotherapy is very much connected with heroism. Le prochain type de psychothérapie primordiale que nous allons explorer, il est beaucoup plus connecté à la notion de la figure du héros. Several years ago, I analyzed the top 500 movies of all times. Il y a quelques années, j'ai analysé les meilleurs et plus reconnus de 500 films de sur la structure de la voie du héros. Top 500 in terms of financial success, of course. En termes de succès, to have at least one objective criteria. Pour avoir au moins un critère objectif. Yeah, and I found that more than 90% of those 500 movies. Et j'ai trouvé que plus de 90% de ces films were connected with some fantasy or adventure stories. Étaient liés à une sorte de fantastique ou d'histoire d'aventure. And in the core of this film is hero's journey story. Et au centre de ces films, c'est le chemin ou la quête d'un héros. It means that majority of people visiting cinema is looking not just entertainment, but something more essential. Qui vont au cinéma ne sont pas en train de chercher que du divertissement, mais quelque chose de plus essentiel. And my idea is that we are looking for therapy. Through reconnecting with heroism. Et mon idée, c'est qu'ils cherchent la thérapie pour se reconnecter à cet héroïsme. And we know that the idea of heroic journey was introduced in the most developed way by American mythologist Joseph Campbell in his famous book The Hero with a Thousand Faces, printed in 1949. Et nous savons que la voie du héros a été étudiée en profondeur par Joseph Campbell, et il a montré ça dans son ouvrage Le héros aux mille visages. And this is the cover of this book, Bullington Series edition. Et ici en haut à gauche, c'est une des couvertures d'une des éditions de son livre. This is a Hero of Soviet Union sign. Ça, c'est le signe des héros de l'Union soviétique. Joseph Campbell himself, like Trinity, Shiva, Brahma, and. Ça c'est Joseph Campbell lui-même sous une forme de trinité. Krishna and famous movies like Heroes, etc., etc. Des séries comme Heroes. Let's look a little bit at the beginning of Joseph Campbell's famous film, The Power of Myth. It's the very beginning of the first film. The Hero's Journey. Voici le film de Joseph Campbell, Le pouvoir du mythe, et donc le. C'est le début du film. Le début du film, Le chemin de l'héros. Martin Luther King.
we can feel. Compared with modern presidents. Gandhi. We have not even to risk the adventure of Joseph Campbell voice in the background. Heroes of all time, and its the meaning. Is thoroughly known. Плесецкая, famous ballet. Picasso. Mother Teresa. To find an abomination, we shall find a god. And where we have thought to slay another, the United Nations General Secretary. Where we have thought to travel outward, we shall come to the center of our own existence. And where we have thought to be alone, we shall be with all the world. Why the hero with a thousand faces? Well, because there is a certain typical hero sequence of actions which can be detected in stories from all over the world and from many, many periods of history. And I think it's essentially, you might say, the one deed. You can translate if you want. Et on pourrait traduire si on voulait. Okay, it's enough to. I just want you to have impression about Joseph Campbell, since along with Mircea Eliade, he was one of the two great mythologists of the 20th century, and his knowledge, the source of his knowledge, was direct experience. Since he traveled and lived in all holy places of the world, in all tribes, in all cultures. And so he was a kind of merged by all those stories and myths. Yeah. Joseph Campbell was a great expert in union psychology, and even he compiled portable portable book by Jung. Joseph Campbell était portable Jung, yeah, book. Était passionné de Jung et se promenait avec un livre de poche de Jung. And it was Carl Gustav Jung who introduced the idea of heroes and heroic journey. Et c'est Carl Jung qui a introduit l'idée du héros et ou du voyage du héros, du parcours du héros. So and Otto Rank then in 1928 published a book The Myth About the Birth of the Hero. Et Otto Rank en 1928 a publié un livre sur le mythe du héros. And so psychotherapy is can be also represented as a heroic journey. Et la psychothérapie, eh bien, on peut la représenter comme le parcours héroïque, comme un parcours héroïque. For example, one of the very famous type of existential psychotherapy is logotherapy by Viktor Frankl. Logotherapy by Viktor Frankl is logotherapy de Viktor Frankl. Yeah, yeah. And Viktor Frankl spent several years in concentration camp. Il a passé plusieurs Nazi années dans des camps de concentration camp and survived. Mais il y a survécu. And the essence of logotherapy is the power to will to power. Et l'essence de la logothérapie, c'est la volonté de puissance, nous pourrions dire. Will to meaning, not to power, sorry, to meaning. Meaning, yes, of course. Alors, l'essence de la logothérapie, c'est la volonté de trouver du sens, de la signification. But when Viktor Frankl, in the middle of 80s, after Perestroika, visited Moscow State University and presented
his methods. Et quand Frankl est venu après la perestroïka en Russie pour présenter ses méthodes, I recognize that the acting force of his psychotherapy is not theory. He shaped his knowledge, but his own personal heroism he transmitted. Thank you. Thank you so much for helping. Son propre parcours héroïque. And so the idea of after we can find numerous examples of different heroic journeys in modern art. Et on peut trouver beaucoup d'exemples du parcours du héros dans l'art moderne. Never-ended story, Alice in Wonderland, etc., etc., etc. Dans le voyage sans fin, dans l'histoire sans fin, ou dans Alice au pays des merveilles, etc. And several years ago, Lucasfilm Company updated and again distributed Star Wars, famous. Il y a quelques années, la compagnie Lucasfilm a fait une mise à jour de Star Wars et l'a distribué à nouveau. And you know how the first film of Star Wars started. George Vous savez Lucas. Comment le premier film de Star Wars a commencé? George Lucas, when he finished the script for the first film, he found Joseph Campbell's book, The Heroes with a Thousand Faces. Il a découvert le livre de Joseph Campbell, Le héros au mille visages. And was so much amazed in this great idea that he threw away the script and wrote the new one based on Campbell's ideas. Il a été tellement frappé par ce qu'il a lu qu'il a mis de côté le premier script et il a réécrit le scénario de son film. And the film had, as we know, great success and opened up the new era in cinema, the era of blockbusters, so to say. Et donc ce film que vous connaissez bien, qui a connu un grand succès, eh bien, il se base sur ce travail du parcours du héros. Et a ouvert la porte à cette nouvelle ère de blockbusters. And everyone in Hollywood wanted to repeat Lucas' success. Parce que tout le monde à Hollywood a voulu répéter le succès de George Lucas. And George Lucas invited Joseph Campbell to live in his villa nearby Hollywood. Et George Lucas a invité Joseph Campbell à vivre dans sa propre villa à Hollywood. And he was the channel. Through this channel, Joseph Campbell's ideas spread it in Hollywood and in the world. Il a été en quelque sorte comme un canal pour répandre les idées de Joseph Campbell à Hollywood. And almost every script in Hollywood is repeating the same structure, hero's journey. Presque tous les films d'Hollywood répètent cette même structure du parcours du héros. And there are many Hollywood gurus who are teaching hero's journey way of writing script. Il y a plein de sortes de gurus à Hollywood qui enseignent le voyage du héros et les différentes formes de script. And the same ideas and the same approach we can find in psychotherapy, in business training, in marketing, everywhere. Et ce sont les mêmes types d'approches que nous pouvons trouver en psychothérapie, tout comme en marketing ou n'importe où. And now on every TV program, the first question is who is the hero? Dans tous les programmes de télé, finalement, la première question c'est qui le héros? With whom people will be identified watching the program? C'est à lui que les personnes qui regardent le programme s'identifieront. And so to make the story short, this is different kinds of hero and the structure of Campbell's heroic journey. This is his main, it's on Russian language. The structure of monomyth. Il y a différents types de structures dans le voyage du héros. Par exemple, il y a la structure du monomyth. And I had to say that this idea was new for American and European culture, but in Russian culture, we had another mythologist, Vladimir Prop, who 20 years before Campbell gave a very deep description of Russian mythology. This is his
map of Russian mythology. Et ce travail, il est bien connu en Occident, en Europe et en Amérique du Nord. Néanmoins, 25 ans avant le travail de Joseph Campbell, il y a un autre mythologue russe qui a fait des travaux de même nature et qui a montré d'autres structures de parcours du héros. You see, similar but even more detailed. D'autres structures du voyage du héros dans la mythologie russe dont voilà, Campbell have 18 stage and Vladimir Prop has 31 stage. Campbell, il a montré 18 étapes et cette personne, Yaprop, je pense, il a montré 31 étapes. And this is a simplified structure of heroic journey produced by Christopher Vogler, very, very famous and important guru of Hollywood. Et il y a une structure générique, on pourrait dire, du parcours du héros qui a été proposée par Christopher Vogler en 1990, basée sur les scénarios d'Hollywood. His main book, Writer's Journey, where he adopts Joseph Campbell's ideas to cinema and to Hollywood. Et son livre principal, ça s'intitule Le voyage du scénariste. And he is consultant of biggest Hollywood companies. Et il est consultant pour les plus grandes entreprises hollywoodiennes. And a couple of years ago, he gave a seminar, big seminar in Moscow, and I attended at his seminars. Il y a quelques années, il a donné un grand séminaire à Moscou et j'y ai participé. And I recognize that he is still repeating old Joseph Campbell stuff. Et j'ai remarqué nothing qu'il new. Était en train de répéter exactement les mêmes structures que Joseph Campbell, rien de nouveau. This is another kind of Hollywood gurus. But doesn't matter. It's just to give you a picture that there is plenty of different approach, but they are similar. What I discovered also studying many years ago Joseph Campbell, after several years I realized that where Joseph Campbell and all modern psychotherapists and business trainers, coaches and Hollywood screenwriters see one heroic journey. Alors là où Joseph Campbell et les psychothérapeutes et les formateurs en entreprise et les scénaristes hollywoodiens voient dans la quête héroïque, there is actually three different types of heroic journeys. Il y a en fait trois différents types de quête héroïque, de chemin héroïque. And only one heroic journey was described by Joseph Campbell, and is spreaded by all these gurus. And this is essentially mythological journey. Et c'est essentiellement un chemin mythologique, un parcours mythologique. But as human being, we also have another dimensions. We are not limited by the dimension of mythology. En tant qu'être humain, nous avons d'autres dimensions. Nous ne sommes pas limités par notre mythologie. From the beginning of shamanic time, we all have two another dimension. Human dimension, existential dimension, and spiritual dimension, the third dimension. Depuis le temps des chamans, depuis l'ère chamanique, nous avons au moins deux autres dimensions, la dimension humaine et la dimension spirituelle. And likewise, Joseph Campbell used his knowledge and fairy tales of mythology, of all this tradition of human history, to give the map of mythological journey. Et de la même façon que Joseph Campbell a montré une voie du héros qui se base sur les mythologies et sur les contes de fées et sur les histoires humaines. We can use Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Ludwig Biswanger, Søren Kierkegaard, Fyodor Dostoevsky to create the map of existential journey. It's another map. On peut s'inspirer de Camus, de Sartre, de Dostoevsky et d'autres pour créer une voie du héros existentialiste. And even more, using the great spiritual scriptures, using the life of a saint, the great book of Tibetan Buddhism, and Kabbalah, and Zohar, and Koran, etc., etc., we can get the map of spiritual journey. Et de la même façon, heroic spiritual journey. En regardant la vie des saints et les écrits du bouddhisme, les écrits de la voie zoroastre et du Coran, eh bien nous pourrions dessiner un modèle d'une voie du héros spirituel. Existentiel. It's completely another map.
founded on another sources. But if we don't know, if it don't take it into existence that there are three different types of heroic journey, we have the tendency to reduce the higher types of journey, spiritual and existential, to mythological one. Et nous ne voyons pas qu'il y a trois types de parcours pour ce héros parce que nous sommes habitués à ne regarder que la dimension mythologique de son parcours. And this is the great mistake of Hollywood, the great mistake of modern European culture, and the great mistake of modern psychotherapy. Et c'est une grande erreur perpétuée tant par Hollywood que par la culture européenne et par la psychothérapie. So heroism is a very important type of primordial psychotherapy, to be a hero, to know how to be a hero, to encourage client to be a hero. Et la voie héroïque, l'idée d'être un héros, c'est quelque chose de vraiment important dans la psychothérapie, tant pour l'incarner que pour proposer au client d'être un héros qui parcourt un chemin. But if the only type of the heroes we know is a mythological one, we are falling into great mistake, reducing our high dimension to lower one. Mais si nous gardons cela seulement... Si nous réduisons cela seulement à une voie du héros mythologique, eh bien nous faisons une grosse erreur parce que nous réduisons à une seule dimension. Yeah. La partie existentielle et la partie spirituelle, nous la réduisons au mythologique. Giving wrong advices and recipes and simplifying the life. En donnant de mauvais conseils et de mauvaises recettes, en simplifiant les choses de la vie. And here are pictures representing the three types of heroic journey: mythological, existential, and spiritual. Là on a vraiment trois images qui représentent de manière caricaturale les trois types de voies du héros: en bas à gauche mythologique, en haut à droite existentielle, et en bas à droite transpersonnelle ou spirituelle. Of course, the great artists, the great writers, the great film directors don't follow the recipes of Hollywood gurus. They go beyond following their own spirit. Bien sûr, les grands artistes, les grands auteurs, les grands réalisateurs, ils ne s'arrêtent pas au schéma classique d'Hollywood, ils vont au-delà de ces choses-là. And the same is true for really great psychotherapists. Et la même chose est vraie pour les grands psychothérapeutes. They appreciate the real richness of a human being and support this richness. Ils apprécient ou contemplent la richesse de l'existence humaine et... Et la soutienne. And so, Campbell found the maps of mythological journey in myth fairy tales, we can find the map of existential and spiritual journey in other human sources. Et de la même manière que Campbell a trouvé les cartes du voyage mythique qui trouve son origine dans les mythes et dans les contes de fées et dans le folklore, nous pouvons trouver les cartes pour d'autres voyages héroïques dans le monde de la culture humaine et les traditions spirituelles. And one of my future projects in terms of writing is a kind of commentary to 30 best maps of heroic journeys. Et un de mes travaux que je suis en train de réaliser, c'est un commentaire de 30 des parcours du héros les plus connus. 10 maps of mythological journey, 10 maps of existential journey, and 10 maps of spiritual journeys with my comments. 10 pour chacune des types de parcours du héros, c'est un commentaire que je suis en train de réaliser. I think that such kind of books which may be much more useful than just intellectual description. Et je pense que ce genre de livre, ça pourrait être utile à bien plus que juste une description intellectuelle, une utilisation intellectuelle. So, summarizing what I said about heroism and heroic journey. Résumer ce que j'ai dit sur l'héroïsme et le parcours héroïque. This is a kind of ordinary human existence, normal. Existence ordinaire, normale. Normal, everyday reality. Une réalité quotidienne. A superficial world. This is a symbolic picture of this life. Then the first world which opened to us when we start in the journey is
the world of fairy tales and myths and legends. Et le premier monde qui va s'ouvrir devant nous en travaillant sur notre monde intérieur, eh bien, c'est un monde de fantasy au sens imagination, de contes de fées et de mythologie. And the meaning of mythological journey is in overcoming limits of myth, of family traditions, of collective consciousness, and to be recognized person, to have a face, recognized face, so to say. Before this journey, I was individ, like not recognized like any other. After completing heroic journey, I have the face. I am recognized. Et le but ou la signification profonde de, du parcours mythologique, c'est de dépasser les limites de notre mythe personnel, de notre mythe familial, de notre mythe culturel, pour retrouver la personne que nous sommes réellement. Pour être reconnu, c'est-à-dire qu'avant de faire ce parcours, j'étais... j'étais inconnue et après ce parcours héroïque, j'ai un visage et je peux être reconnue comme telle. So to make the story first, this is about existential journey and the meaning of existential journey is in overcoming limits of person, personality, personal identity and becoming self. To get what ancient Greek name acme, maturity, completeness, and what Jung name individuation, the process of individuation. Can you translate? Yes. Thank you. Et, le but ou la signification profonde de ce qu'on peut nommer le parcours existentialiste ou existentiel, c'est de dépasser les limites d'une identité personnelle pour arriver à to becoming to whole complete whole human being realized human being un être humain complet c'est ce que et accompli c'est ce que on voit sous le terme d'un soi avec un S majuscule dans la tradition jungienne et ce que Jung a appelé l'individuation one of the great sample of existential heroic journey psychotherapy is the novel of Hermann Hesse, Steppenwolf. Et une bonne illustration, une grande illustration de ce voyage existentialiste, c'est l'œuvre de Hermann Hesse, Le Loup des Steppes. And Hermann Hesse was a client of Carl Gustav Jung for more than 2 years. Et Hermann Hesse, eh bien, c'était un client de, c'était un client de Jung en psychothérapie pendant de nombreuses années. And his novel Steppenwolf. Was rooted in his own experience of middle age and spiritual crisis. Et son livre, sa nouvelle, Le Loup des Steppes, eh bien, c'est basé sur sa propre expérience et sa crise identitaire au milieu de sa vie. And the idea of magical theory of consciousness, of recollecting and becoming a complete human being, is the essence of existential heroic journey. Donc le théâtre magique de la conscience est donc le, l'essence de, la, du chemin héroïque existentiel. Et de récupérer les différentes... Vladimir, to recollect. Recollect, yeah, to recollect all you lost in your life. Ok, et de récupérer to get back. Toutes les parts de ta vie que tu as perdues. And in the last part of the last third part of Steppenwolf, we have a detailed description of this process, magical theater. Et à la fin de cet ouvrage, le Loup des Steppes, on a une description de ce processus qu'il appelle le théâtre magique. And the third heroic journey is transpersonal or spiritual journey. Et le troisième type de parcours du héros, eh bien, c'est le voyage transpersonnel. And the meaning of spiritual or transpersonal journey is going beyond any limitation. Et le parcours transpersonnel, c'est d'aller au-delà de ses propres limitations. To get complete realization, to go to from matrix, from any limitation. D'aller au-delà de toute limitation, et on peut prendre l'exemple, on peut prendre la métaphore de sortir de la matrice, sortir du film Matrix.
And a lot of my film tomorrow will be about this transpersonal journey, how to be reconnected with infinity. Et le film que je vais présenter demain, eh bien, a pour sujet cette thématique. Comment, comment s'extraire de ses limites et se reconnecter à l'infini. So this topic about primordial therapy is a big one. Le sujet de la psychothérapie primordiale, c'est un vaste sujet. It's the essence of my forthcoming book, and I'm teaching primordial psychotherapy courses in Russia in several places, and it's a 300 hours program, 15 seminars, weekend seminars. C'est l'essence d'un de mes livres, et il y a un séminaire que je donne en 15 sessions en Russie et dans d'autres pays. And I'm giving good stuff of theory and practice, and we're practicing a lot in each type of primordial psychotherapy to give students skills. Je propose aux étudiants beaucoup de théorie, mais aussi beaucoup d'exercices pratiques pour faire l'expérience de cette psychothérapie primordiale et qu'ils acquérissent des compétences. And one important skill is to understand and to get the essence of a particular type of primordial psychotherapy. Et l'une des compétences principales que je transmets, c'est de comprendre et aussi de faire expérience de ces. And another very even the most important skill is to apply primordial psychotherapy in appropriate way to particular person in particular situation. Et à la sortie, la compétence la plus importante, c'est de pouvoir appliquer ces différents types de parcours dans tout type de situation. Il y a tout type de client en fonction de sa situation. And so here I can give you just a broad picture about the complete set of primordial psychotherapy I've discovered. Alors, ce soir, Vladimir a présenté quatre de différents types de psychothérapie primordiale, et ici voilà une carte de l'ensemble de son travail. And you know a little bit about first four types, and then pneumosynthesis, or psychotherapy by breathing. Je vous ai présenté ce soir les quatre premières, et la cinquième, par exemple, c'est une psychothérapie qui travaille sur les différents types de souffle. And for more than 25 years, I am teaching different types of breathwork. I am certified holotropic breathwork practitioners and expert in many types of different types of breathwork. Parce que depuis 25 ans, j'ai étudié de nombreuses pratiques de respiration et de souffle, comme la respiration holotropique, mais qui n'en est qu'une. Je suis expert dans de nombreuses pratiques autour de la respiration. We haven't time to present in details what I mean. It's my approach, pneumosynthesis, is the middle path of the breathwork. It's kind of operating system for any other types of any other methods of breathwork. J'ai pas le temps de présenter en détail tout ça, mais j'ai mis au point une forme de voie médiane de tout le travail sur le souffle qu'on peut considérer comme un système d'exploitation du corps et de l'esprit par le souffle. Then psychotherapy as transformation, as tantra, as alchemy of great deed. Et puis il y a le The arts of transformation. It was the key idea of late Carl Gustav Jung, who spent the last 30 years of his life studying alchemy, by the way. Le sixième, c'est un type de psychothérapie basé sur l'idée de la transformation. That of transformation. Ça développe le travail de Carl Jung et de Stan Grof. In Eastern cultures, it's tantra, that of transformation. In Western cultures, mostly alchemy. Par exemple, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les traditions tantriques et dans les traditions alchimiques. Then psychotherapy is magic theater of consciousness. Et puis un type de psychothérapie basé sur le théâtre magique de la conscience. And here in Paris, you have great psychotherapist Alejandro Khodorkovsky. Ici, on va retrouver great film director who used to give sessions. Who used to give sessions in one of cafe? I don't know where. His psychomagic approach. De psychomagie. And tarot readings also. Et de lecture du tarot. And many others, guys like French theater director and actor Antonin Artaud.
Julio Cortázar from Argentina, John Fowles from Great Britain, etc., etc. Il vient de nommer différents réalisateurs qui s'inscrivent dans cette tradition. Then psychotherapy is restoration of communication fabric of consciousness. Ensuite vient un type de psychothérapie qui est basé sur le fait de restaurer le tissu de communication de la conscience. Psychotherapy is psychotherapeutic time-space machine. Ensuite, un type de psychothérapie qui va fonctionner comme une machine spatio-temporelle. Psychotherapy is healing and integrity, uniting paths. Ensuite, un type de psychothérapie comme orienté sur la guérison. L'idée ici, c'est d'unir les différentes parties et de les réassocier. Psychotherapy is stream, process, flow. Et puis, un type de psychothérapie basé sur la notion de flux, ce qu'on peut retrouver dans le taoïsme. Ancient Taoist tradition, also represented by French philosopher Henri Bergson. Un type de philosophie taoïste qui est aussi représenté en France par le philosophe Henri Bergson. Founder of process walk, Arnie Mindel. And Whitehead. Et plus récemment, qui est développé par le couple Mindel et par Whitehead. And psychotherapy as awakening from dream. Et un type de psychothérapie qu'on pourrait nommer comme se réveiller d'un rêve. Yeah. So and I'm sure that the idea of primordial psychotherapy and the knowledge, first-hand knowledge of primordial psychotherapy can serve as a kind of extended essential operating system for all other types of psychotherapy. Et je pense que ces différents types d'approches de la psychothérapie, eh bien, l'expérience de la psychothérapie primordiale peuvent servir comme système d'exploitation pour les autres psychothérapies. You can be a great expert in Ericksonian hypnosis, in psychoanalysis, in body-oriented psychotherapy. Vous pouvez les utiliser, par exemple, dans le prisme de l'hypnothérapie ericksonienne ou dans le prisme de la psychothérapie analytique. Parce que si vous avez une expérience directe personnelle de cela. To the world of Don Juan. Comme par exemple celle du monde to the way of Yaki way of knowledge, to the way of Celtic shamans, world of Celtic shamans, celle par exemple des chamans celtes, to the King Arthur world, and to the Gautama Buddha path, to enlightenment. Ou celle par exemple du chemin du Bouddha Gautama. You can do your Ericksonian hypnosis work. Much more better. Grâce à cette expérience de première main, quel que soit ce chemin héroïque et spirituel que vous choisissez, vous serez d'autant, d'autant meilleur hypnothérapeute. Yeah. And to my understanding, each great psychotherapist is using at least two or three methods of primordial psychotherapy. Être un bon psychothérapeute, ça devrait être connaître au moins deux ou trois de ces types de psychothérapie primordiale. And this is why he's so great, or she is so great. So maybe I'll stop here, since it's huge topic. And it's better to reflect, to reply on your question. Thank you very much for your attention.